Au début, ça devait être une vidéo simple sur quelque chose que j'ai vu à côté de chez moi. Comment dire, à cause de la sécheresse, tout ça. Et en fait, je vais vous faire une compile de plusieurs choses qui, bien sûr, sont liées à ce sujet-là. Et on va commencer tout d'abord par la cyanobactérie. Alors, je vais pas élancer le sujet, tout ça. Ou peut-être que si, à voir comment ça va se débiter dans mes promenades et tout ça. Mais je pense plutôt qu'on va juste parler de 2-3 petites choses en introduction. Et peut-être en conclusion de ce qui va se faire. Moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la pêche no-kill et tout ça, peut-être même avant, il n'y avait pas la Jussie, elle grimpait pas autant, elle prenait pas autant d'ampleur. Et c'est tout à fait la même chose avec la cyanobactérie qui arrive de plus en plus tôt et qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est de plus en plus dangereuse, que ce soit pour les animaux, mais peut-être aussi pour nous. Hein, parce que il faut savoir aussi que les bovins, tout ça, consomment de l'eau peut-être infectée. Et nous, derrière, on consomme ces choses-là. Bref, je vous laisse voir 2-3 choses que je vais vous montrer sur la Jussie, la cyano. C'est pas ce que j'ai vu de pire, mais ça laisse imaginer. Là, je suis autour d'une rivière et c'est pestilentiel. L'odeur est vraiment infecte. Est vraiment infecte, c'est impêchable. Il n'y a pas d'eau. On voit vraiment les poissons en surface. Je suis sur une partie de la Loire. De toute façon, je ne suis pas là vraiment pour pêcher. Je suis plus là pour observer et faire des vidéos là-dessus. Je ne vais pas faire que ça. Je vais aussi en profiter pour faire une conclusion par rapport à ce que vous allez voir plus tard. Le sauvetage qu'on a essayé de faire, en eau publique ou privée, peu importe. Ça a été très très compliqué, on s'est retrouvé avec des eaux qui approchaient les 45 degrés, c'était du n'importe quoi. On a pu sauver quelques spécimens, d'autres qu'on n'a pas pu sauver. Ça a été des voyages pour rien, d'autres non. Bref, c'est très très compliqué de voir ça et comment c'est géré aussi derrière ça. On a appelé ce qui semblerait être les... Mince, j'ai du mal aujourd'hui encore une fois. Les gens compétents pour faire ça, que ce soit les mairies ou les fédés, tout ça, personne ne veut trop se bouger. Et les fédés sont occupés aussi pendant ces périodes-là. Après, on a pris la décision de le faire nous-mêmes. De toute façon, en privé, il n'y a rien à dire. En public, là, c'est encore autre chose. Et là, ça se discute. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai pas pu tout filmer non plus, parce qu'on était vraiment très très pressé par le temps. Cette Jussie super envahissante, ces fameuses fleurs jaunes qui grimpent dans l'eau. De savoir que tout ça c'était pas là, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. On arrive carrément, ça a gagné environ 2 mètres, 3 mètres en circonférence, c'est impressionnant. Au même endroit, on va se retrouver avec un amas de cyano, cette algue qui schlingue. Alors là, elle est plutôt couleur foncée, d'habitude on peut la voir bleu vert, ça dépend à quel machin on se trouve. Et un amas de merde, c'est vraiment une odeur pas agréable du tout, ça fait une eau verte. L'avenir de la pêche semble incertain, comme m'a dit quelqu'un que j'apprécie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, je ne sais pas ce qui va rester dans quelques temps. Et pour ceux qui consomment du poisson, ben bon courage. Aujourd'hui il fait très très chaud, comme
Comme beaucoup, on est à attendre que la flotte arrive depuis un certain temps. Et malheureusement, c'est pas annoncé. Que ça soit pour le carnassier, c'est très mauvais, mais la carpe, c'est pas du tout ça. C'est même tout le contraire. Je crois que c'est pire, que ça soit pour les prendre, mais aussi pour les relaises. Et aujourd'hui, je fais le tour d'un petit coin que je connais, une petite pièce d'eau où il y a vraiment beaucoup de poissons. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais le manque d'eau et l'année exceptionnelle fait que la team a aperçu des choses pas cool, pas cool, et on va aller voir ça ensemble. Hop. Alors, c'est un passage étroit. Dieu sait que j'aime les passages étroits. Voilà l'état du lac. C'est la misère totale. Et on peut apercevoir un cadavre. Alors la qualité de l'appareil fait que je vais pas pouvoir aller plus loin que cela. Et je vais pas m'autoriser à mettre les pieds dans l'eau avec ce qui ressemble à une pseudo cyanobactérie. Enfin, je pense que ça en est. Là, d'habitude on en voit en rivière, mais là clairement ça en est. Et bref, hein, c'est un amour blanc qui est crevé là-bas, pas un gros. Mais bon, pour qu'un amour blanc crève, c'est que vraiment il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Il fallait absolument sortir les poissons de l'eau, et tout de suite sorti, on a essayé de les mettre en bassine, ou plutôt de les mettre en filet comme on le ferait pour la carpe de nuit. On a tué quelques spécimens comme ça, c'était une erreur, mais le temps courait après nous, on était en manque de personnel, on était 3-4, donc c'était vraiment, on avait le cerveau qui fumait pour trouver les solutions, et avec les moyens adaptés, cradle, sac de conservation, bassine remplie de flotte, etc. On a tout essayé. La meilleure solution, c'était de prendre prise par prise et de les emmener au bord de l'eau. Alors, je vous laisse imaginer la galère que c'était, en sachant que la Loire n'était pas à proximité. Ça a été un voyage sans fin. Et il y a eu de la perte, effectivement. Dès que j'ai sorti quelques poissons de l'épuisette, il y en a qui sont morts direct. C'est des choses qui arrivent, en sachant que si on n'aurait pas bougé du tout, tout serait mort. J'y suis retourné il y a peu de temps pour voir l'ampleur des dégâts. On voit pratiquement plus rien en surface. Sachant que je parle d'une superficie de 2 hectares à peu près, avec ce qui restait de 10 cm, 5 cm de fond, avec 42 vases, c'était un boulot titanesque. Et je remercie la personne qui se reconnaîtra peut-être, que j'ai croisé au bord de l'eau. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui essayent de faire bouger les choses aussi, même si on s'est pas aidé mutuellement. Je sais que toi tu es venu avant moi récupérer quelques brochets. Voilà, nous aussi on a fait ce qu'on a pu. Sur ce, je vous laisse visionner tout ça. On est toujours dans le même bordel. Aujourd'hui, on est parti pour aller à la pêche. Et en fin de compte, on a fait plusieurs endroits parce qu'on m'a alerté sur le fait qu'il y avait des poissons en surface qui étaient un petit peu piégés. Et on s'était dit qu'il y avait peut-être certainement moins d'eau, mais que c'était suffisant pour aller pêcher. Bref, on a jeté un coup d'œil. Et là, c'est même pas une histoire de pêche, on est rendu plutôt à une histoire de sauvetage, parce que ça devient n'importe quoi. On va essayer, on a alerté les services compétents, qui ne peuvent pas pour l'instant bouger, donc on va le faire nous-mêmes, on pense. On est en train de s'organiser pour. Donc qu'est-ce qui se passe? On se retrouve sur un lac où les poissons sont complètement bloqués, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Et ils se regroupent... Ils se regroupent sous un arbre, parce que c'est le seul arbre du plan d'eau où ils se retrouvent à l'ombre. Donc, je vais vous faire voir quelques images. Le problème, il est là, hein. On est sur un plan d'eau, il fait très très chaud. Et les mouettes surveillent. La moindre faiblesse de ces dernières. On va descendre tranquillement. Déjà d'ici, on voit que ça bouge un peu.
ça touche beaucoup même. La qualité de la vidéo n'est pas terrible. On va percevoir des cartes très très polies. Mais aussi un brochet dans les 70-80. Il fait plus que ça. Mais voilà, on voit très très mal sur la vidéo. Je peux pas m'avancer parce qu'en fin de compte. En fait, on est vraiment potentiellement sur un plan d'eau qui n'intéresse jamais personne. Les poissons se foutent à l'ombre. Une très grosse partie. Il y a un beau brochet là-bas. Là, c'est clairement au frais. On est sur des poissons de 5 kg, 6 kg, 3 kg. Il y a une trentaine de cartes à peu près. C'est vraiment dommage. On pourrait presque le toucher. On peut le prendre ou pas? Ouais, je sais même pas ce que c'est, tu peux essayer, hein, mais. C'est quoi ça? Ah, mais c'est même pas une carpe ça, c'est une brème. C'est limite s'il sortirait pas de l'eau pour chercher de l'ombre. C'est incroyable. Là, on est vraiment en souffrance. Il fait vraiment en souffrance. Il fait très très chaud. Il n'y aura plus d'eau ici. On découvre ça avec la team. Il n'y aura plus d'eau. Regarde le brochet. Oh, il est immense. On peut le choper, le brochet. Carpe de 4-5 kg. Bon, je crois qu'on va aller chercher le matériel. Maintenant. Et puis essayer de les sauver. J'espère qu'on va le faire maintenant. Gaël, on reste aujourd'hui ou quoi? J'ai envie de les sauver. Sinon, ma peluche pour ça, on peut rien. Ok. Je parle, je conduis en même temps. Ouais. Ironie du sort, le plan d'eau, j'appelle la Fédé, le plan d'eau n'appartient à personne, donc ils ne peuvent pas intervenir et ils ne veulent pas intervenir, on va pas se mentir. Et de deux, sans que c'est la troisième, j'ai appelé la mairie qui bien sûr est fermée depuis une semaine occasionnellement. Avec le matériel qu'on a emmené nous-mêmes, Mathis au flotte tube, moi avec l'épuisette à cœur. Et voilà, on a fait comme on a pu, malheureusement il y a de la casse. Donc on va vite se presser pour remettre tout ça à l'eau. Comme on peut le voir, il y en a encore, on sauvera pas tout. Et malheureusement, c'est pas de mon ressort. On a fait ce qu'on a pu, on a perdu quand même une après-midi complète. On aurait pu faire mieux, on aurait pu ne pas intervenir non plus. Et pour le coup, on y va les gars. J'ai pas assez de matériel pour sauver tout le monde. T'as eu quoi comme poisson du coup? Il y a eu du brochet, il y a eu de la carpe. Là c'est de la tanche. Il y a eu du silure aussi. Très jolie tanche. Wow. Elle est magnifique. Les yeux rouges par contre. C'est normal.
Elle est magnifique. Si on avait vu un suivant. Du coup, on va essayer de préserver ces choses-là. On va essayer de préserver ça. J'ai cru à un black bass. Tiens, ça fait longtemps que j'ai vu une tanche. Regardez, faites un bisou. Bon. Un petit sauvetage, il n'y a pas eu grand chose, il y a eu du crevé, tout ça, on va vite se presser pour aller remettre à l'eau parce que c'est en souffrance. On a un brochet que Mathis a réussi à nous choper. Comme on peut voir, un petit bec. Oh. Voilà. Celui-là il était juste à côté de moi. Une carpe. Dans les 6 kilos. Un peu moins peut-être. Une jolie tanche. Ça fait plaisir de voir ça. Tout ça, ça a vraiment soif, ça a vraiment trop chaud. Le problème, c'est que dès que ça sort de l'eau, ironie du sort, ce qu'on prenait pour un brochet était en fait un glane. Attends, c'est quoi ça? Du mucus. Voilà. Donc, toute l'équipe était à fond. Ouais, Mathis, moi. Nathan, moi, Mathis qui est derrière l'objectif. Et grâce à lui, qui a sorti le bec.